Bienvenue au château de la Morinière, château de Sologne du XVIe siècle. Voilà, le château de la Morinière, c'est un projet familial que nous avons débuté en 2016, mon épouse et moi, et mes enfants. Voilà, depuis le début de ce projet, nous avons formé approximativement 34 personnes, 34 jeunes et moins jeunes, en recherche d'emploi ou en difficulté ou repositionnement dans leur vie. Et avec notre volonté de faire un projet social et solidaire autour de la restauration de ce château, nous avons mis en place des choses avec Acta Vista qui nous a accompagnés depuis le début dans cette aventure. Je suis au chantier de Morinière depuis 3 ans maintenant. J'ai débuté aussi avec Acta Vista, avec lequel j'ai passé un CAP charpente pour ensuite être formateur les 2 années suivantes auprès des jeunes. Tous les jeunes qu'on a eu jusque maintenant sont restés dans le métier, donc ça prouve que c'était quand même un métier qui leur convient. Ici, c'est qu'on a l'impression de servir réellement à quelque chose dans la mesure où on apprend des choses à des jeunes et on leur donne les moyens de se valoriser par les gestes. Moi et puis les chefs, on a fait ensemble, c'est lui qui a fait ça, moi ici j'ai trouvé, il avait fait tout ça, mais tout ça, le reste, on a façonné ensemble, tout. Je fais la première année dans le domaine d'Acta Vista avec mes formateurs ici, j'ai appris beaucoup de choses. Je fais la tuile, je fais l'ardoise, je fais la rive. En fait, j'ai beaucoup appris avant d'aller chez les compagnons et je m'améliore chaque fois que je viens ici. C'est pour cela que j'aime le travail, je vais continuer. Surtout, je vais avoir mon CAP. Et pourquoi pas aller plus loin encore. Je travaille dans le château de la Morinière comme maçon. Je fais une formation en maçonnerie. La formation, c'est très bien. Ça, les gens, les formateurs, ils forment bien. En plus, le patron aussi, il est gentil. Tout le monde, ça, c'est ici, ça se passe très bien. Bah, j'aimerais toujours rester dans la maçonnerie, toujours. Et puis, découvrir dans le bâtiment, la maçonnerie, et puis les plaquistes, tout. Découvrir d'autres trucs aussi dans le bâtiment. Le rôle d'Acta Vista, c'est de nous apporter un support technique et aussi un programme de formation. Notamment des plans pour des cours de plateau technique. Bah, ça, je connais pas mon futur d'abord, mais si je m'en sors de plus encore, là, ici, là, comme ça, et puis. Pour avoir des bonnes continuations de mes, tu vois. Ouais. Parce que là, on ne peut pas trop parler, parce qu'on ne sait pas c'est quoi qui va venir demain, tu vois. Mais tout ça dépend de le courage, quoi. Si il y a le courage seulement, on peut y arriver aussi, tu vois. Ouais.